Bonjour au signe du poisson. Voici votre tirage pour les énergies du mois d'avril. Alors c'est un tirage général pour le signe poisson. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Vous retrouverez sous la vidéo en barre d'informations les jeux qui ont été utilisés donc pour votre tirage. Alors pour vous les poissons, pour le mois d'avril, avec l'oracle des amoureux, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, donc les poissons, vous avez le faucon qui vous accompagne en avril. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Avec le tarot, vous avez le cavalier denier. Il va être question d'entreprendre, d'ambition, d'entreprendre quelque chose. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, débuter, donc peut-être quelque chose. Ça peut être aussi dans une relation. Mais il est question d'être vraiment rigoureux, d'être vraiment sérieux. Je dirais qu'il y a certains du signe poisson qui vont débuter, commencer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un projet de vie, un projet professionnel, peu importe. Mais il est question vraiment d'envie, d'ambition, de motivation, d'être méthodique. Alors il est possible aussi que certains du signe poisson vont devoir faire face à une certaine situation, gérer une certaine situation ou gérer une crise et devoir, entre guillemets, prendre les choses en main. Vont devoir gérer la situation, vont devoir être le maître de la situation, vont devoir vraiment prendre les choses en main. Il peut être question donc d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet de vie, également au travail, par exemple, d'une mission qui vous est confiée. Voilà, il va être question de rigueur, d'être méthodique, de prendre vraiment les choses en main, de gérer et de motivation. Alors, avec le tarot de l'amour, la carte qui est sortie pour vous, c'est le 7 des anges, qui correspond donc dans le tarot au 7 d'épée. C'est la carte du progrès. L'ange de la libération détend votre fixation sur des trésors éternels. Le progrès se fait en toute liberté. Alors le 7 des anges, il arrive ici, car vous voulez vous libérer de toute limitation. Vous êtes prêt à vous lancer en avant, que vous soyez en train de frayer un chemin dans le monde des affaires, de rompre une relation ou de délaisser les idées de monsieur et madame tout le monde. Le moment est venu de sauver votre peau en faisant des choses à votre façon. Trouvez un équilibre et entrez en résonance avec ce changement avant de vous retourner vers les autres. Alors cette carte, c'est la carte des nouveaux projets, des nouveaux plans, de quelque chose qui débute, qui démarre. C'est la carte des souhaits, des envies, de la persévérance, de faire un effort, de prendre les choses, encore une fois ici, de prendre les choses en main. Il y a quelque chose, on vous dit ici, qui va progresser, qui va avancer dans votre vie. Il va être question de mettre fin à une limitation, à quelque chose qui vous freine, qui vous bloque, peut-être tout naturellement, et les choses vont progresser. Vous allez donc vers une progression, que ce soit dans une relation, dans votre situation affective, votre situation amoureuse, dans votre travail, dans votre situation financière ou dans votre santé. Avec les portes de l'intuition, donc l'oracle, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de l'amour. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors le message donc de cette carte, c'est que votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tous
ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Donc pour vous, faites les choses pour le mois d'avril, plus avec le cœur. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur, soyez dans la bonté, soyez dans la générosité. Laissez l'amour entrer dans votre vie, mais laissez l'amour sortir aussi de votre vie, diffusez l'amour. C'est vraiment ce qu'on vous demande, d'être dans une énergie d'amour. On vous demande, voilà, avec cette carte, d'être conscient, de ressentir de l'amour. Soyez présent sur ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Et on vous dit, voyez ensuite les résultats que vous avez obtenus grâce à une attitude en étant, en baignant vraiment dans l'amour. Voilà donc pour vous les poissons pour le mois d'avril. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.